monde. J'ai vraiment envie de ces chaussures. J'ai pas l'intention d'en dépenser $120 pour une paire de baskets. Non. À la limite, si tu y tiens tant que ça, je veux bien en payer la moitié. On va au magasin de jouets ? Aujourd'hui. Et j'ai créé mon serviteur Emmanuel David Isaiah, élu parmi tous les élus de la Terre, pour qu'il soit la lumière et le guide de mon peuple et de tous ceux qui se repentent. Venez à moi, mon fidèle Emmanuel, et la plénitude est le chemin. Les gens t'accepteraient mieux si tu coupais ta barbe. Le peuple est devenu fou. Evziba Elada Isaiah, tu as été choisie pour être la servante d'Emmanuel. Tu dois être soumise et obéir aux ordres de ton mari. Tu vas à présent recevoir en ton cœur 7 petites sœurs qui partageront ta maison, 7 petits joyaux offerts à l'homme méritant et honnête. J'en suis heureux. J'en suis heureux. La paix soit avec toi. Vous n'auriez pas un peu d'argent ? Désolé, j'ai rien sur moi. Auriez-vous un peu d'argent ? Oui. Vous habitez dans la région ? En fait, ma sœur et moi, nous essayons de répandre la parole de Dieu. Je fais des petits travaux si vous avez besoin. Mon mari engage très souvent des gens capables de l'aider pour la maison ou pour le jardin. Et en ce moment, je suis certaine qu'il aurait besoin de vous. Magnifique. Voilà, monsieur. Comment vous appelez-vous ? Emmanuel. Cela signifie Dieu est avec vous. Je vous remercie, c'est vraiment très gentil. On y va, les enfants. Allez, viens. Pourquoi tu lui as donné de l'argent ? Parce qu'il faut toujours aider son prochain, mon chéri. J'ai été appelé par Dieu pour parler à ceux qui ont perdu la foi et ne savent guère où aller. C'est vraiment admirable. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je ne suis jamais qu'un humble messager de Dieu, parcourant le monde et répandant la bonne parole. Il est dérangé ? Un peu, oui. Mais c'est un excellent charpentier. Il connaît son boulot. Il connaît la Bible aussi. Enfin, disons qu'il la cite à sa manière, tu vois. Quoi ? Eh bien, je suis un peu étonné. En général, tu ne m'aides pas à trouver des ouvriers. Oh, j'étais désolée pour lui. C'est sûrement un type bien qui s'est retrouvé dans la rue. Il faut lui donner une petite chance. Tenez, monsieur. Merci. Je vous en prie. Merci. À tout à l'heure. Emmanuel ? Maman, je vais courir un peu. Oh non, Elisabeth, on doit être à 19h à ton collège. Si je veux être dans l'équipe d'athlétisme, je dois courir tous les jours. 45 minutes. Pas plus. Et en plus, tu dois prendre ta douche, t'habiller et dîner. Ça va aller, moi. Bon, d'accord, va vite courir, mais il n'est pas question que tu y ailles toute seule. Désolée, j'ai un examen demain. Moi, je peux. D'accord, je mets mes chaussures. Oh, il faut que je voie avec Cathy pour aller quelques jours au lac avec sa famille pendant les vacances. Non, chérie, ça tombe exactement pendant les 2 semaines où on sera tous ensemble. Ça dure que 6 jours, maman. Je t'en prie, j'ai vraiment envie d'y aller. Je vais rester avec ton père et puis on en reparlera. Mais attends, je dois rappeler Cathy et lui dire... N'insiste pas, on en reparlera un autre jour.
Oh, Madame Trogbeur a demandé que je vienne assez tôt pour jouer devant les autres quand ils arrivent. Oh, bien, chérie. Bien. Oh. Mais qu'est-ce que... J'ai fait brûler les pommes de terre. Oh. Il est 7h10. Ça n'aura pas le temps de jouer. On aura même de la chance si on arrive à l'heure. Mais non, c'est très bien, ça ira. Ça fait ça depuis ce matin? Je vérifierai quand on reviendra. Et si quelqu'un vient et vole mes affaires pendant qu'on est pas là? T'inquiète pas, personne ne veut voler tes affaires. Notre Père qui es aux cieux, nous sommes là devant toi ce soir pour te remercier de tout le bonheur que tu nous donnes. Nous te remercions pour grand-père, pour son exemple, son amour, pour tout ce qu'il nous a enseigné. Nous te demandons humblement de veiller sur grand-mère. Dis-lui que nous l'aimons toujours autant. Puisses-tu bénir cette nuit et veiller sur nous au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Allez au lit, les enfants. Oui, allez, c'est parti. Tu vas dormir dans ton lit comme un grand garçon. Hein? Bonne nuit. Élisabeth. Allez. J'ai parlé à ton père. Tu pourras aller chez Cathy. Merci, maman. Va vite. Charles, quand tu auras fini, éteins bien les lumières. Ouais, ouais. J'ai osé le déranger. Mais la plus jeune sœur, qui n'était pas aussi méchante que les autres, l'appela Cendrillon. Et malgré ses vêtements déchirés, Cendrillon était encore 100 fois plus belle que ses sœurs qui mouraient de jalousie. Hé, hey, pas trop tard, hein. On va arrêter. Bonne nuit, papa. Dors bien. Je vous aime, les filles. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi. Malgré ses vêtements déchirés, Cendrillon était encore 100 fois plus belle que ses sœurs qui mouraient de jalousie. Qu'il en soit ainsi, Seigneur.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Non, ne parle pas. Lève-toi et viens avec moi. Non, si tu cries, je te tuerai et ensuite je tuerai toute la famille. Mets tes chaussures et suis-moi. Vite. Fais un mauvais rêve, ça va passer. Elle est certainement en bas, elle s'est endormie sur le canapé. Oh, ma chérie. Ça va aller. Elisabeth? 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 Dis-moi ce qui s'est passé. Monsieur a enlevé Elisabeth. Quoi? Attends, quel monsieur? Qui était-ce? Je ne sais pas. Marie-Catherine. Je ne sais pas. Oui, oui. Pas qui c'était. Ma fille s'est fait enlever. Dis-moi ce qui s'est passé, chérie. Oui, elle a été enlevée. Pourquoi est-ce qu'elle est enlevée? Je ne sais pas, maman. Jim, on l'a enlevée. Marie-Catherine a vu un homme. Elle a vu un homme qui est venu l'enlever. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Elle l'a vu, c'était qui? J'en sais rien du tout. Retrouve-la. Il faut vraiment la retrouver. Oui, on va la retrouver. Il faut la retrouver. Messieurs, ma fille a été enlevée par un homme. Ducal. Que l'épée de la vengeance plane désormais au-dessus de ta tête. Bientôt il sera temps de venger dans le sang la mort des saints sacrifiés dont les hurlements résonnent encore dans sa tête. Où est-elle? Ils vont la retrouver. La police va très vite la retrouver. Qui a fait ça? Pourquoi là? Madame Smart? Inspecteur Coleman, j'ai quelques questions à vous poser. Vous permettez que je m'assoie? Votre fille avait l'habitude de fuguer comme ça pendant la nuit? Non. Non, Elisabeth n'aurait jamais eu l'idée de quitter la maison sans le dire. Vous vous êtes disputé? Quelque chose l'a mise en colère? Non. Nous avions eu quelques mois à propos des vacances qu'elle voulait passer avec une amie, mais... Mais je lui ai dit qu'on était d'accord. Les filles sont très sensibles à cet âge-là. Vous avez le nom et le numéro de téléphone de cette amie? Elisabeth n'est pas chez Cathy. Est-ce qu'elle a un petit ami? Peut-être qu'il habite tout près et qu'il a une voiture. Elle n'a pas de petite amie, elle a seulement 14 ans. Et combien de temps votre fille passe-t-elle sur Internet? Savez-vous si elle communiquerait avec quelqu'un en particulier? Oh, maman! Oh, ma chérie. Oh, on l'a enlevée. Personne n'a remarqué une voiture qui est prête dans le quartier? C'est incroyable, ça. Un homme est entré.
Elizabeth Smart, 14 ans, semble avoir été enlevée. La petite sœur a vu un individu, mais elle a pu décider de mentir pour aider la grande à fuguer. L'alarme était hors service et la porte de derrière n'était pas fermée. C'est par là qu'il a dû passer. La fenêtre de la cuisine était ouverte et la moustiquaire a été coupée, mais je dirais que ça a été fait de l'intérieur. C'est qui toutes ces personnes? Deux amis, la famille. Quand je suis entré, certains étaient déjà là et d'autres sont arrivés après. Vous allez leur demander de sortir. Ça va être facile pour les empreintes. D'accord. Non, chérie, écoute-moi. Elizabeth est très forte, elle est intelligente, elle sait ce qu'elle fait. Où qu'elle se trouve, elle saura agir selon les circonstances. Mais tu dois être forte aussi. Elle a été enlevée. Je ne sais pas où elle est. Loïs, regarde-moi. Regarde-moi, chérie. Notre Seigneur Tout-Puissant sait où elle se trouve. Ouvre ton cœur et fais-lui confiance. Son ange gardien veillera toujours sur elle. Loïs? Où es-tu? Mais où est... Non, je... Loïs? Monsieur Smart, inspecteur Richard Casson, j'ai quelques questions à vous poser. S'il vous plaît, il faudrait encore d'autres policiers pour chercher la... Écoutez, nous faisons tout ce que nous pouvons. Je voudrais que vous m'accordiez quelques instants. Mais où est-ce qu'ils vont tous? Cette maison doit être inspectée, monsieur Smart. Nous prenons toutes les précautions pour que les empreintes ou les indices qui s'y trouvent puissent rester absolument intacts. Oui, je comprends. Très bien. Alors, juste une première chose. Le nom de votre fille, c'était Elizabeth? Oui, c'est Elizabeth. Exact. Est-ce qu'elle avait déjà fugué? Mais non, attendez, elle n'a pas fugué, elle a été enlevée. Les jeunes filles de cet âge-là s'imaginent tout connaître. Mais excusez-moi, pourquoi vous me posez ces questions? Vous allez venir au poste, vous et votre famille, monsieur. Au poste? Vous n'avez pas le droit de... Ça va fermer, attendez. Où tu vas, Jim? Qu'est-ce, monsieur? C'est mon frère. Jim, qu'est-ce que tu fais? Je prends une photo pour les journaux. Pete, on va fouiller toutes les maisons du voisinage. Faites en sorte de ne pas oublier celle qui se trouve un peu plus loin. Oh, et demandez à l'hélicoptère de venir faire un tour. Très bien. Monsieur Smart, vous pouvez peut-être vous habiller. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Veuillez vous asseoir, monsieur. Où est ma femme? Mais enfin, ça veut dire quoi tout ça? Votre femme va bien, vos enfants également, asseyez-vous. Alors écoutez, voilà le problème. Nous n'avons pas grand-chose, en fait. Une fille de 9 ans est réveillée au milieu de la nuit et elle dit qu'elle a peut-être vu quelqu'un. Oui, Marie-Catherine, elle a vraiment vu cet homme. Elle a dit qu'il portait un bonnet de couleur sombre. Je vais être franc avec vous, monsieur Smart. Je suis venu afin de discuter, il n'y a que vous et moi. Je veux savoir où sont mes enfants. En sécurité, madame Smart. Votre mère garde les plus jeunes et Marie-Catherine et votre grand-fils sont juste à côté. Alors, nous aimerions avoir quelques précisions. Votre mariage, s'est-il vraiment bien passé? Vous avez fait un emprunt, vous avez votre travail, votre femme, 6 enfants, c'est lourd, n'est-ce pas? Il peut vous arriver de vous mettre en colère, de faire une erreur et parfois même d'exploser. C'est tout à fait normal. Non mais attendez, qu'est-ce que tout cela a à voir avec la disparition de ma fille? Monsieur Smart, je suis obligé de vous poser ces questions, c'est la procédure. Alors, si vous avez besoin de parler... Je vous écoute. Votre mari s'est déjà mis en colère contre vous ou contre vos enfants? Quoi? Non. Non. Je veux rentrer chez moi. Je veux pouvoir être là quand Elizabeth reviendra. Ce que nous voulons avant tout, c'est d'avoir une bonne perception de la famille. Quel genre de père est votre mari? Mon mari n'a pas enlevé Elizabeth. Je veux voir mes enfants immédiatement. Juste encore 2 ou 3 petites questions. Je veux voir mes enfants immédiatement. Vous croyez que c'est moi? Vous croyez que j'ai enlevé ma fille et que je l'ai... Mais que je l'ai quoi? Cachée quelque part? C'est ce que vous avez fait? Je n'ai pas enlevé ma fille. Oui, je sais que vous devez tout imaginer. Ça y est, j'ai compris. Mais moi, je vous dis que vous perdez votre temps, inspecteur. Il faut retrouver Elizabeth avant qu'on l'emmène loin d'ici. Smart, voilà ce qui se passe, en fait. Quand une jeune fille est enlevée de cette façon, c'est généralement par une personne qu'elle connaît bien. Et on la retrouve souvent à 3 ou 4 kilomètres de sa maison. Vous le savez, ça? Je ne savais pas. Votre fils Charles était chez vous, n'est-ce pas? Oui. Comment était-il avec votre fille? Proche, distant, ils se disputaient? Vous perdez votre temps, inspecteur. Charles n'a rien à voir avec toute cette histoire. Mais cet homme-là, tu penses le connaître? Je sais pas du tout. Tu as dit que tu connaissais sa voix? Oui, mais c'est pas celui que je croyais. Il était aussi grand que Charles. Charles, c'est ton grand frère. Quel âge il a? Il a 15 ans. Ta sœur et toi, vous avez presque le même âge.
Vous vous disputez souvent? Pas tant que ça. Ça peut arriver de temps en temps. J'ai aussi une sœur, je sais comment ça marche. Parfois, elle te met tellement en colère que tu sais plus ce que tu fais. Pas vraiment, non. Elle est plutôt jolie. Peut-être que l'un de tes copains tourne autour d'elle. Tout le monde l'adore? Non, je peux dire, peut-être qu'il veut être son petit ami. Non. Allez, regardez! Voilà une voiture de police! Allez, 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 allez. Ils vont l'endresser à distance! Jean. Mais il faut que tu parles aux journalistes. Oh non, Jim, j'ai rien à leur dire. On a besoin de la presse. Il faut que cette histoire sorte dans les journaux. Et tout de suite. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Il ne faut pas attendre, il faut y aller. Il faut le dire à tout le monde. Et il faut aussi s'adresser à celui qui a fait ça. Monsieur Smart, de quelle façon allez-vous réagir? Que comptez-vous faire? Je vous en prie. Vous qui avez enlevé Elisabeth. Je ne sais pas du tout pourquoi vous avez fait ça. Vous savez que c'est notre fille. Je vous en prie, laissez-la revenir. Laissez-la rentrer chez nous. Je vous en prie, ramenez-la. Je vous demande de comprendre que ce n'est encore qu'une enfant. Il joue pas la comédie. C'est notre fille. Je vais contacter l'FBI. Elle a besoin de nous. Un type a proposé de survoler toute la région avec son avion. Ah, bien. J'ai rencontré Don Anderson de la Fondation Retrouver Laura. Elle est arrivée cette nuit du Texas. Elle m'a proposé de créer une cellule de recherche à l'hôpital Shriner. Et qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Ben, elle dit que la photo d'Elisabeth doit être diffusée partout. Elisabeth! Dans les journaux, sur des affiches en couleur, avec des informations en bas de page. Tu vois, son âge, sa taille, la couleur des cheveux, des yeux, ce qu'elle avait sur elle le soir de l'enlèvement. Et combien d'affiches? Oh, une cinquantaine pour commencer, ça devrait aller. 50 affiches en couleur, mais ça va prendre du temps. Ed, on a besoin de 50 affiches en couleur tout de suite. Il faut aller dans les aéroports, dans les stations de bus, dans les garages, etc., etc. Elisabeth! Merci, Seigneur, de nous avoir donné cette chance. Grâce à toi, Emmanuel, David Isaiah, élu parmi tous les élus, peut continuer à répandre la bonne parole dans un monde aveugle et cupide. Cet enfant que nous t'offrons sera la lumière qui éclairera les ténèbres et répandra au nom de ta gloire et de ta magnificence. Cette jeune innocente connaîtra l'obéissance et le sacrifice que tu exiges de nous, jusqu'à la mort s'il le faut. Nous avons fait tu as froid? Nous avons obéi aux lois de la Je ne peux plus rentrer chez moi. Tu es chez toi. Gloire à toi, puissant Seigneur. Gloire au Saint des Saints. Gloire à celui qui a de la chance. Sacré, à la lumière. C'est toi qui l'as choisi. L'amour des hommes. Ouvrons-lui notre cœur. Laissons entrer cette lumière. Vous entendez, ils me cherchent partout. Ils se lasseront, ne t'inquiète pas. Ils ne la trouveront pas, elle est à moi. J'ai trouvé l'une des sept sœurs, l'un des sept petits joyaux. Merci. Allô? Mais qui êtes-vous? Non, voyons, il n'en est pas question. Qui c'était? Un gars qui travaille pour la Gazette de Salt Lake City. Et il demandait s'il pouvait venir interviewer Marie-Catherine. Bon, on a fouillé toute la salle de bain. Je suis désolée. Vous devez le laisser là où il est. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Désirez-vous manger quelque chose? Est-ce qu'elle mange, elle?
parce qu'elle n'a pas froid. Vous allez la retrouver. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Oublie le passé, oublie ce que tu as vécu, ça n'avait aucun sens. À présent, tu as moi. Je suis le seul à savoir exactement qui tu es. Et la lumière qui éclaire ton cœur ne peut être vue que par moi. Je veux revoir mes parents. Ils n'existent plus. Alors voilà. Voilà la liste des différentes personnes qui sont venues travailler à la maison durant toute cette année. Et là, c'est la liste de toutes les personnes qui ont assisté au concert de notre fille. Et voilà, voilà les noms de tous les amis d'Elisabeth qui l'ont peut-être vu avec quelqu'un. Merci, ces listes vont nous aider. Je voudrais rentrer chez moi. Vous voulez que je vous fasse raccompagner? Je voudrais rentrer chez moi. J'espère que ça ne va pas. Envoyez immédiatement une ambulance. Suite à un évanouissement, oui. Ed Smart a été transporté dans un hôpital. Les médecins disent que cela est dû à une grande fatigue et au stress. Mais il devrait être rapidement sur pied. La famille Smart a décidé d'effectuer de nombreuses recherches dans les montagnes qui se trouvent derrière chez eux. Ils sont aidés par des milliers de volontaires. Rocky Anderson, qui est le maire de la ville, a déclaré que la personne qui retrouverait Elisabeth empocherait 250 000 dollars. L'argent de cette récompense semble provenir de dons effectués par des sociétés installées dans la région et pas de simples citoyens. Merci, le programme madame. De recherche dépasse tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. On dirait que le monde entier s'est engagé à retrouver Elisabeth. Aucun problème. On est volontaires. Désolé les gars, mais il faut avoir 18 ans. Mais on a 18 ans. Bien attention, hein. Prépare nos couchages et viens nous rejoindre pour la prière. Ils me cherchent toujours. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Je suis ton seul et unique sauveur. Tu manges si je te dis de manger. Tu dors seulement si je te dis de dormir. Je suis entré chez toi et je t'ai dit de venir. Le Seigneur me l'a ordonné. Tu resteras en vie si je le veux bien. Et ta famille ne restera en vie que si je le veux bien. Maintenant, fais ce que j'ai dit. Elisabeth!
C'est moi, papa. Nous avons tout dit. Nous avons parlé de la récompense. Vous avez été parfait. Je n'aurais jamais cru que vous sauriez aussi bien vous débrouiller en effet. Nous voulons simplement dire les choses et toucher le plus de gens possible. Je suis Marc Glass. Je suis là pour vous aider. Oui, je me souviens de ce qui est arrivé. Je suis désolé pour votre fille. Oui. Nous vous remercions infiniment d'être venu. Ce que je vous conseille avant tout, c'est de demander à un spécialiste de venir s'entretenir avec la jeune sœur. Elle a été témoin de ce fait, l'image de l'homme est imprimée dans le fond de sa rétine. Il y a une femme qui s'appelle Jenny Boylan. Elle fait des portraits qui sont de grande qualité. Je peux lui dire d'être là dans une heure. La police et le FBI nous ont déjà dit de ne pas insister. La mémoire de Marie-Catherine pourrait s'en trouver affaiblie. Ed, votre fille a disparu depuis 6 jours. Attendez, Jim! Vous devez tout essayer, ne rien négliger. Je te présente Marc Glass. Voici mon frère, Jim. Oui, je sais qui vous êtes. Merci d'être avec nous. Regardez, tous les gens sont les bienvenus. Ed, laissez-moi parler à votre fille. Elle s'appelle Marie-Elisabeth, c'est ça? Peut-être que j'arriverai à... Excusez-moi. Merci pour votre aide, Marc, mais ça va aller comme ça. Il doit être mort alors qu'il est. Maintenant, on cherche un cadavre. Il n'y a pas de problème, je vous remercie. Votre aide nous est précieuse. Jim, je voudrais juste m'asseoir avec Ed et Loïs et je voudrais leur parler. J'ai vécu cette situation et je sais très exactement ce qu'ils vont endurer. Je vais essayer d'arranger ça, Marc. Combien de temps vous restez? Le temps que vous voudrez. Bon, d'accord. J'en parle à Ed dès ce soir. J'aimerais filmer notre entretien, ça peut se faire? Vous voulez filmer un père malheureux parlant à un père malheureux? Vous travaillez pour qui, vous? Pour moi? Fox News. Ils sont très intéressés par tout ce qui concerne les enlèvements d'enfants. Et je pense que cette affaire pourrait... Retournez chez vous, monsieur Clark. Mais je voulais vous aider, moi. Oui, vous avez raison. Tout à fait raison. Bonjour tout le monde. Voici Chris Thomas. Son associé et lui dirigent Intrepid Group, une société de relations publiques. Il a décidé d'arrêter de travailler afin de pouvoir nous aider. Merci beaucoup, monsieur. Merci. J'ai quelques nouvelles. Dès demain matin, le Salt Lake City Tribune va publier un article disant que les enquêteurs semblent s'intéresser à un membre de la famille. Vous plaisantez? C'est un rime à quoi? Et le type qui vendait du lait et qui passait tous les matins avec sa camionnette verte? Brett Michael Edmonds. Oui, la police recherche cet homme. Ils disent qu'ils veulent juste lui parler. Il n'a pas été retenu comme suspect. Ah oui, il n'arrive pas à le retrouver, alors c'est forcément l'un d'entre nous. L'article mentionnera qu'il est absolument établi que la moustiquaire a été découpée de l'intérieur et qu'il s'agit d'une mise en scène. Deux journalistes travaillant au Tribune, Kevin Cantera et Michael Vai, affirment que tout cela est confirmé par 4 personnes de la brigade. Quelle personne? C'est vraiment... Mais il ment, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Vous savez, dans toute affaire comme celle-là, il y a forcément de fausses accusations et pas mal de gens qui veulent briller. Mais tout le monde veut dire ça, et il y en a forcément qui vont peut-être même le croire. La police n'a qu'à publier un démenti disant que cet article est faux. Je leur ai dit, c'est fichu. C'est trop tard. Ça va passer à la télé ce soir, et dans les journaux demain. Tous les médias vont se ruer sur cette nouvelle. Évidemment, les gens vont arrêter de faire des recherches. Pourquoi devraient-ils perdre leur temps à chercher Elisabeth alors qu'on leur dit que c'est nous qui l'avons enlevée? Ça devient complètement fou. C'est vraiment absurde. Nous devons faire paraître un communiqué de la famille précisant qu'elle coopère avec la police et que de toute façon, elle continue à faire exactement ce qu'on lui demande. D'accord? Quel âge avez-vous? 46 ans. Au cours de ces 40 années, avez-vous blessé quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez dire par quelqu'un que j'aurais blessé physiquement ou émotionnellement? Répondez à la question. Oui. Je crois qu'au cours de ces 46 années, j'ai dû blesser certaines personnes. Vous vous appelez Ed? Oui. Avez-vous enlevé votre fille Elisabeth? Non. Avez-vous tué votre fille Elisabeth? Non.
Tu n'as jamais vraiment été à mon service. Tu te moques de moi quand tu dis que tu m'aimes. C'est faux. Depuis des années, je donne ma vie pour toi. Obéissance conduit au parfait amour, qui conduit à la foi absolue. Tu ne vaux rien. Ton âme se perd entre vanité et fausse fierté. Tu n'as qu'une mission dans cette vie, c'est d'être seulement à mon service. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Tu sais que si tu me désobéis, tu vas contre la loi de Dieu et tu te condamneras à l'enfer pour l'éternité. J'ai abandonné ma famille. Je t'ai suivi partout là où tu voulais m'emmener. La seule chose que j'essaie de te dire, c'est que ma fille me manque. Je ne peux plus continuer avec toi. Cet enfant est devenu ta sœur. C'est ce que Dieu a décidé, que tu le veuilles ou non. Tu sais que toute ta maison est piégée, tu sais qu'ils vont tous mourir si jamais tu es retrouvé. Tu ne sauras jamais qui est en moi, ni à qui tu peux faire confiance. Allez, viens. Tu es une enfant qui s'est enfuie de chez ses parents. Si je suis celui qui t'a sauvé, n'est-ce pas? C'est bien cela, je suis ton sauveur. Je te tuerai, je tuerai toute ta famille. Ils mourront tous, ils mourront tous. Oui, en fait, dans cet article, ils disent que Jim, David et Ed font partie d'un cercle d'homosexuels, que leurs femmes sont au courant de tout et que d'une certaine manière, ce cercle est responsable de l'enlèvement de la petite. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? C'est ridicule, personne ne pourra croire de telles choses, c'est tellement énorme. Une bonne partie des journaux va s'emparer de cette nouvelle. Et pas mal de gens vont y croire. Vous allez donc devoir vous défendre si vous voulez que l'opinion publique reste de votre côté. Comment fait-on? Nous rejetons cette attaque perfide qui tente de salir notre famille. Nous ne pourrons jamais accepter ces mensonges et ces calomnies. Nous sommes une vraie famille, et nous restons unis dans notre foi et dans notre volonté de retrouver Elisabeth. Attendez, monsieur Smart, s'il vous plaît. Quelles sont les chances, s'il vous plaît? Que savez-vous du Smart? Pourquoi il faut qu'on vienne dans cette maison? Comme ça, nous serons tous là pour accueillir Elisabeth. Tout à l'heure, on ira au refuge animalier et on achètera un chien. J'ai toujours voulu en avoir un. Et toi, tu disais qu'on pouvait pas. Ça a changé. Si j'avais eu mon pistolet, je l'aurais tué, ce type. Non, chérie. Tu sais très bien que ce n'est pas comme ça que ça marche. Marie-Catherine, elle aurait peut-être pu crier ou se mettre à le mordre. Non, non, ce n'est pas vrai. Elle n'a rien dit et en ne disant rien, elle t'a peut-être sauvé la vie. Elle nous a sauvé la vie à tous. On ne sait pas ce que cet homme aurait fait. Elle s'est tue pour qu'il ne nous arrive rien et elle a réveillé ton père quand tout danger a été écarté. Marie-Catherine ? Elle était très courageuse. Chérie. Tu le sais que tu étais très courageuse. J'aurais dû l'empêcher, mais j'avais tellement peur. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu crois que c'est ce que pense Elisabeth? Oui, j'en suis sûre. Évidemment qu'elle a eu peur. Quelqu'un entre dans la maison en plein milieu de la nuit, enlève sa sœur, et le père, lui, n'a rien entendu. Déchire-moi ça. Oh.
tous ceux qui cherchent Elizabeth Smart. À tous nos amis à travers le monde. Cela fait plusieurs semaines que notre fille Elizabeth a été réveillée et entraînée de force loin de sa maison. Chaque minute, chaque jour, nous la cherchons. Nous prions pour elle. Nous espérons qu'elle revienne. Tant de gens nous ont aidés. Autant dans nos recherches que dans nos prières. Nous tenons à vous en remercier. Du fond du cœur. Elle est toujours prisonnière. Elle attend que nous venions enfin la délivrer. Seul son ravisseur sait où elle est. Elizabeth, sois forte. Nous tiendrons notre promesse. Nous te retrouverons bientôt. Brett Michael Edmonds, qui a été repéré près de la maison des Smart la semaine où Elizabeth a disparu, a été interrogé par la police dans un hôpital de l'État de Virginie. Il a été établi que M. Edmonds ne sait rien à propos de cette disparition et que nous n'avons plus rien à chercher de ce côté-là. Je vous remercie beaucoup. Non, messieurs, dames, plus aucune déclaration. Vous savez quoi? Non. Vous vous souvenez de Richard Ritchie, qui a travaillé chez eux? Ritchie... Ah oui, un gars assez grand, qu'on a fait venir pour le questionner, et sa femme lui a refilé un alibi. Oui, il n'a pas respecté sa libération sur parole. On devrait peut-être le re-questionner. D'accord. Posons des questions. Merci. Laissez tomber. Vous n'arriverez jamais à rien. Vous pouvez me questionner pendant des jours et des jours. La réponse sera toujours non. Moi, j'ai rien à voir avec la disparition de cette fille. D'accord, très bien. Alors, on va tout recommencer. Ça roule. Mais moi, j'en ai rien à cirer. C'est ce qu'on va voir, salopard. Ça vous dirait que je vous livre à la population pour qu'ils vous demandent où est la petite? Vous savez bien que j'ai perdu mon fils quand il avait 9 ans. Alors, venez pas m'accuser de vos conneries. Vous avez déjà joué cette carte-là. Vous êtes allé où avec la Jeep? Vous avez volé les bijoux. Quand avez-vous décidé d'enlever la fille? Allez en enfer. On a arrêté un homme qui était en liberté surveillée. Il était sur l'une de vos listes. Il a travaillé longtemps chez vous. Qui est-ce? Il s'appelle Richard Ritchie. Richard? Oh, et il était toujours si gentil avec les enfants. On lui a donné une Jeep pour ses déplacements. Il connaissait notre maison par cœur. Je l'ai renvoyé parce que l'un des bijoux de Loïs avait disparu. Ritchie est accro à l'héroïne. Il a un dossier qui remonte déjà à 30 ans. Nous avons trouvé ceci en fouillant chez lui. C'est mon bracelet. Il a probablement vendu une partie des pierres. Cet homme a un alibi extrêmement douteux concernant la nuit de l'enlèvement. Et... Oui. 2 jours avant la nuit où Elizabeth a disparu, Richard Ritchie a sorti sa Jeep d'un garage où il la faisait entretenir. Et quand il est revenu quelques jours plus tard, elle était pleine de boue. Les couvertures recouvrant les sièges avaient disparu et le compteur indiquait 1500 km de pluie. Et ça, il ne peut ou ne veut l'expliquer. Nous faisons analyser la terre qui est sur la Jeep. Histoire d'essayer de savoir d'où elle vient. Mais... Alors, où est notre fille? Où est Elizabeth? Ça, pour l'instant, nous l'ignorons. Et il ne veut rien dire. Il continue à clamer son innocence. Sa femme, Angela, prétend qu'il était avec elle le soir... Enfin, cette nuit-là. Ed, Loïs, moi, je suis certain à presque 100% que nous tenons le coupable. Mon Dieu.
Comment ça, c'est une blague? Ça s'est passé exactement de la même manière que chez nous. La moustiquaire a été coupée de la même façon. C'est ma nièce. Comment osez-vous parler de coïncidence? Bon, inspecteur... Non, je sais que ce n'est pas à moi de vous dire comment vous devez faire votre travail, mais avouez tout de même que... Oui, je sais. Bien. On dirait que la police en a marre et qu'elle veut classer le dossier. Ed, c'est peut-être quand même l'œuvre d'un malade. Tu sais bien comment les gens peuvent être dingues. Et Richard Ritchie est toujours en prison. Loïs, il y a la moustiquaire, le couteau. Je suis sûr que c'est le même homme. L'état de l'Utah contre Richard Ritchie. Monsieur Ritchie, vous avez été reconnu coupable de vol, vous devez donc être condamné. La sentence est fixée au 30 août. Le procès concernant le hold-up de la banque... Sophie, pourquoi est-ce qu'il ne ment pas s'il a fait notre fille? Parce que le dossier n'est pas encore à l'ordre du jour. S'il vous plaît, Madame Ritchie. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie, demandez à Richard de nous dire où il était cette nuit-là. Et est-ce qu'il sait où est Elisabeth? Écoutez, je sais que vous souffrez. Mais Richard était au lit avec moi ce soir-là. Où est-il allé avec la Jeep? Pourquoi ne veut-il toujours pas le dire? Et pourquoi revient-il toujours sur ses dépositions? Ça, j'avoue que je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il ne ferait jamais de mal à un enfant. Jamais. S'il vous plaît. Je vais lui en parler. Ça fait 2 semaines, et Angela n'a rien obtenu de lui. Non, parce que Richard ne lui a rien dit. Alors moi, peut-être que je peux essayer de lui parler. Je m'adresserai à lui en tant que mère. Je verrai ce que je peux faire. Je vous en prie, adressons-nous au maire. Il va nous aider, il va comprendre. Madame Smart, nous avons déjà tellement de difficultés à obtenir des... Vous savez très bien que notre fille peut être tuée à n'importe quel moment, en ce moment même, pendant qu'on parle. Je verrai ce que je peux faire. Allô? Ouais. Merci de nous avoir appelés. C'était l'inspecteur Cassen. Richard Ritchie a été victime d'une rupture d'anévrisme cette nuit. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a plus de cerveau. Alors tout... Tout est fini. Viens, ma chérie. Seulement fatiguée, Marie-Catherine. Elle reviendra bientôt. Oui, c'est certain. Ce qui est pénible, c'est de devoir attendre si longtemps. C'est pas lui qui a emmené Elisabeth. Catherine a regardé cette photo et elle a dit que ce n'était pas cet homme-là. Peut-être que Ritchie n'est pas coupable. C'est forcément lui. Il n'est peut-être pas venu seul dans la maison, mais c'est lui, la police en est sûre. Moi, je pense qu'on devrait chercher dans d'autres directions. Il n'y a aucune autre direction. Mais bien sûr que si. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je n'en peux plus. J'ai encore 5 autres enfants qui ont besoin de moi.
Ed, il doit suivre des études. Ils doivent mener une vie normale. Et moi, je ne suis jamais là parce que je vais à des conférences de presse du matin jusqu'au soir. Tu veux qu'on fasse un mémorial pour notre fille? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Non. Tu sais que je garderai toujours espoir. Mais j'ai tellement peur. À chaque fois que le téléphone sonne, je me dis que c'est la police qui va m'apprendre qu'on a retrouvé son corps. Elle n'est plus là. Elle est partie, c'est tout. Non, je ne peux pas le croire. Moi, je dois le croire. Pour nos 5 autres enfants. Je dois le croire. Ceux qui se montreront justes envers lui et envers les autres. Seuls les prêtres. Tu es tellement jeune et tu sais si peu de choses. Mais cela ne durera pas. Tu vas grandir et tu comprendras que tu as eu de la chance de pouvoir être ici, loin des péchés de ce monde. Ma famille essaie toujours de me retrouver. Non. Non, ils ont arrêté depuis bien longtemps. Cesse de pleurer, abandonne toute forme de fierté. Tu devrais implorer le pardon, toi qui restes si attaché à ces fausses valeurs. Les véritables valeurs sont moi et Dieu pour l'éternité. Allez, viens. Avance. Je crois qu'on pourrait peut-être contacter le type du Texas qui prétend avoir vu une voiture. C'est terminé, ok? Nos équipes ont fouillé à travers toute l'Amérique. Nous avons une douzaine d'agents du FBI qui ont travaillé sur le dossier, plus toutes sortes d'experts en disparition, des profilers. Nous avons tout fait. Vous devez comprendre qu'il faut tout arrêter. Ma fille est encore en vie, Richard. Et elle est quelque part. Elle attend que je vienne la chercher. Ça, je le sais. Bon, il est possible que quelqu'un connaissant bien Richie vienne nous voir et nous dire... Mais Marie-Catherine a vu la photo de Richie et elle a dit, c'est pas lui, c'est pas l'homme qui était dans la maison ce soir-là. Je sais que Marie-Catherine ne l'a pas reconnu sur la photo. Mais il était tard et c'était la nuit. Écoutez, Ed, je comprends très bien ce que vous ressentez. Vous n'avez aucune preuve de la mort de ma fille. Aucune. Elle est encore en vie. Et moi, je n'abandonnerai pas. Que vous m'aidiez ou que vous ne m'aidiez pas, je n'abandonnerai jamais.
Et nous sommes prêts à offrir une récompense de $10,000 pour toute information pouvant innocenter Richard Ritchie. Nous savons que Ritchie devait aller voir une personne après avoir déposé sa Jeep au garage. Nous avons toujours notre foi intacte et nous sommes toujours convaincus que notre Elizabeth est encore en vie. Marie-Catherine, tu n'as pas faim? Non, merci. Qu'est-ce que ça donne, cet album? C'est génial. J'ai trouvé des trucs pour chaque semaine où elle n'aura pas été là. Je voudrais pas qu'elle se dise qu'elle a manqué plein de choses. Tu es une merveilleuse petite sœur. Tu le sais, ça, n'est-ce pas? Tu sais, chérie, il y a un risque que ta sœur soit quelque part au ciel. Avec ton grand-père. Oui, je sais. Mais c'est pas vrai. Elle essaie de rentrer à la maison. Que le Seigneur soit avec nous. Je resterai toujours près de toi. Papa, je crois que je sais qui c'est. Je crois savoir qui a enlevé Elizabeth. C'est Emmanuel. Tu te rappelles l'homme qui nous avait demandé un peu d'argent? Tu parles de... Celui qui t'a aidé à réparer le toit de la maison. Ça remonte à environ un an, non? Ouais. C'est une nouvelle piste. C'est cet homme-là qu'elle se rappelle. Vous avez dit, il faut pas gâcher sa mémoire. On vous a écouté. Et elle se souvient de tous les détails. Oui, absolument tout. Elle a dit que l'homme était aussi grand que Charles, qui fait lui 1m70. Or, Richie fait 1m80. 1m80, oui, ça je sais. Vous allez essayer de nous faire confiance? Nous faisons tout ce que nous pouvons, et je vous assure... Vous auriez dû me laisser faire son portrait, ce gars-là. J'étais sur le toit avec lui, je me rappelle très bien la tête qu'il avait. Je suis désolé, je crois que ça va nous mener nulle part. Alors je vais envoyer des hommes dans la nature, histoire de retrouver un certain... Emmanuel. Emmanuel. Il doit y avoir une centaine de types comme lui à la recherche de petits boulots. Marie-Catherine ne se souvient pas d'une centaine d'hommes. Elle ne se souvient que d'un seul homme. Oui, je le sais aussi. Nous l'avons interrogé. Oui, voir mais... ce qu'on peut faire. Ned, Peter Coleman. J'ai rencontré la portraitiste, vous savez, Darlene Nielsen. Vous pouvez la contacter? Peut-être que vous arriverez à faire un croquis de l'homme dont se souvient votre fille. Tentative de vol. Il dit qu'il s'appelle Emmanuel. Pas de pièce d'identité, mais d'après lui, il serait né quelque temps après la naissance du Christ. Il est armé? Non, il n'a pas l'air dangereux. Apparemment, nous, on n'a rien sur lui. On n'a rien signalé. Roger, c'est bon. Ok. Allez-y. Puis-je vous aider? Je cherche des cartes de San Diego et de la région alentour. Oui, des cartes. Je vais vous dire où vous allez trouver ça. Emmanuel tuera toute ta famille. Ses disciples connaissent toutes les entrées de ta maison. Combien je vous dois? Nous allons voir ça. Ça va, madame? Oui, ça va, je vous remercie. C'est très gentil. Je vous en prie. Ma fille et moi, nous avons l'intention de faire un voyage vers le sud avec mon mari. Et il est venu chercher des cartes. Merci beaucoup. Vous vous sentez bien? Vous ne seriez pas Elizabeth Smart? Elle s'appelle Augustine et elle est très timide. Bon, passez une bonne journée. Nous vous remercions. Au revoir, madame. Au revoir. Départ dans 15 minutes. Bus pour San Diego. Dans 15 minutes, le départ du bus. San Diego. Trouvé ici pour fêter l'anniversaire d'Elizabeth. Nous te remercions pour Elizabeth, pour sa générosité, son amour et sa gentillesse. Nous te demandons de veiller sur elle et de lui épargner toute souffrance, puisse-t-elle revenir un jour dans cette maison.
Nous prions pour que son ravisseur se rende compte de son erreur, pour qu'il ouvre son cœur, pour qu'il revienne dans le droit chemin et la libère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Je propose que chacun de nous prenne la parole, juste pour rappeler un petit souvenir ou une petite anecdote concernant Elisabeth. Moi, j'aimais bien quand elle m'aidait à faire des pancakes aux myrtilles le samedi matin. Ouais. J'aimais quand elle me faisait la lecture. Je suis bien assez grande pour lire toute seule, mais c'était mieux avec elle. Je fermais les yeux et je rentrais dans l'histoire. Il fait bon ce soir. Il y a exactement 15 ans, Jésus t'a choisi afin que tu viennes dans ce monde. Et c'est alors que dans un souffle, il m'a dit que tu m'appartiendrais. Joyeux anniversaire. Chercher une assiette de légumes. Il ne parle à personne. Je ne parle à personne. C'est bien. Votre père et moi, nous vous avons fait des petites boîtes à souvenirs. On vous a écrit une lettre à chacun de vous. On vous dit combien on vous aime. Merci. Et on les a mises dans vos boîtes, avec des photos et toutes sortes de choses qu'on a gardées depuis quelques années. Il y aura peut-être un miracle. Pardon ? Oui, c'est Noël. Peut-être qu'il y aura un miracle. Je l'espère aussi. Ce même jour, il y a de nombreuses années, un enfant est né. Un enfant destiné à mourir pour sauver nos âmes. À présent, je suis là, selon la volonté de Dieu. Pour répandre sa parole, maintenant prie. J'ai entendu tes paroles, Père, et j'ai compris ce que tu avais décidé pour moi. J'accepte d'être ton disciple en ce bas monde et dans ton royaume. Donne-nous la main. Cette petite âme étincelante se nomme Augustine. Elle m'appartiendra pour l'éternité et pour l'éternité. Elle servira le Seigneur à travers moi. Te sens-tu libéré, Augustine ? Jésus t'a choisi pour que tu viennes en ce monde. Et c'est alors que dans un souffle, il m'a dit que tu... Nous avons envoyé des inspecteurs dans tous les centres accueillant des sans-abri. Nous n'avons rien dans nos banques de données. On ne peut rien faire de plus. Richie l'a enlevé. Alors peut-être qu'il avait un complice, mais en attendant, on ne sait pas où il est. Ça fait plus de 3 mois que vous cherchez cet homme et vous n'avez rien trouvé. Si son portrait a été publié dans tous les journaux... Ça générerait des centaines de fausses pistes. Tous les hommes des brigades de police se lanceraient dans une chasse à l'homme totalement hystérique. Encore une fois, nous perdrions notre temps et... C'est terrible de sentir qu'on est vraiment impuissant. Mais laissez-nous faire, à notre façon. Mais attendez... Richard... Ed... Faites comme vous le sentez. Toute personne ayant des informations concernant Richard Ritchie est priée de se faire connaître. Monsieur Smart veut prouver que Monsieur Ritchie n'a pas enlevé Elisabeth. Ed. Elisabeth, nous continuons à te chercher. Nous n'avons pas abandonné. Nous savons que tu essaies de revenir à la maison. Jamais nous ne t'abandonnerons.
Merci, Ed. Merci à tous. Je pense que nous allons recevoir d'autres nouveaux appels. John, je peux vous parler une seconde seul à seul. Mais évidemment. Vous savez combien je vous suis reconnaissant de nous avoir appelés afin de nous faire passer dans votre émission, mais... Bien sûr, oui, je sais. Mais je continuerai à faire tout ce que je pourrai. Oui. Marie-Catherine est venue me parler en octobre. Elle m'a dit, je crois que je me souviens de l'homme qui est venu dans notre chambre. C'était un type qui s'appelait Emmanuel et il travaillait pour nous. Ça devait faire environ un an, en fait. Il n'était venu travailler que quelques heures à la maison, mais elle semblait vraiment se souvenir de lui. J'ai fait établir un portrait robot... Mais Loïs ne veut pas que je le fasse paraître. Elle dit qu'elle veut protéger Marie-Catherine. Vous l'avez dit à la police? Oui, mais ils m'ont demandé de ne pas le faire. Ça pourrait générer des centaines de fausses pistes. Et de plus, si on publie ce portrait, le gars va être complètement affolé et il disparaîtra dans la nature. C'est votre fille qu'on a enlevée. C'est pas la fille des enquêteurs qui travaille sur ce dossier. Faites ce que vous pensez être le mieux pour votre famille. Merci, John. Je vous téléphonerai si on décide de faire publier ce portrait. Oui. Vous dites que vous avez de nouvelles informations concernant l'enlèvement d'Elizabeth Smart. J'ai parlé récemment avec son père. Il m'a dit que la petite Marie-Catherine se souvient à présent de l'identité du ravisseur. Après tout ce temps? Elle est le seul témoin de l'enlèvement. Cette petite est extrêmement intelligente. Mon émission, L'homme le plus recherché d'Amérique, va s'intéresser à cette affaire. Mais qu'est-ce que t'as fait? Quand j'ai raconté ça à cet homme, je croyais qu'il le garderait pour lui. Tu sais ce qui va se passer? Plus personne ne va s'intéresser à Richie. Et si Marie-Catherine se trompe? Tu vas pas la replonger dans cette histoire, elle a assez souffert comme ça, il faut la laisser tranquille. Mais c'est notre seule chance. Enfin, est-ce que tu te rends compte? Loïs, il est tard, tu devrais aller dormir. Je savais pas que cet homme était dangereux. J'ignorais qu'il pouvait nous faire du mal, je voulais seulement l'aider. Il avait l'air gentil. Chérie, ce n'est pas ta faute. Bien sûr que c'est ma faute. Je suis leur mère et en tant que mère, j'ai le devoir de protéger mes enfants. Tu les as toujours protégés. Tu as toujours fait tout ce que tu pouvais pour qu'ils soient vraiment en sécurité dans cette maison. Mais ce diable a su trouver une petite faille dans l'un de nos murs. Ni toi ni personne n'aurait jamais pu l'en empêcher. Demain, nous ferons paraître le portrait. Tu es sûre? Je ne sais pas si cet Emmanuel est le ravisseur de notre fille, mais nous devons considérer cet homme comme suspect. Il y a de bonnes raisons pour que Richard Ritchie soit suspecté d'être l'homme qui a enlevé Elizabeth. Il a volé des bijoux, il a menti et il n'a en fait jamais répondu de façon satisfaisante aux questions que lui ont posées les enquêteurs. Les Smart ne pourront rien trouver en réalité. Cet Emmanuel est seulement sur la liste des gens que nous cherchons. Je ne leur en veux pas, ils essaient de faire repartir une enquête afin que la presse parle à nouveau d'Elizabeth. Nous avons aussi, cependant, des raisons de penser que Ritchie n'est pas l'homme qui est entré chez nous cette nuit-là. Marie-Catherine a dit que l'homme avait environ la même taille que Charles, lequel mesure 1m70. Ritchie, lui, fait 1m80. Elle a dit, ce monsieur était venu ici, mais ce n'est pas quelqu'un que je connais bien. Ritchie est venu travailler chez nous pendant plusieurs mois, et elle le connaissait bien. Marie-Catherine a finalement reconnu cet homme-là. Et cet homme prétend s'appeler Emmanuel. Notre suspect numéro 1 est toujours Richard Ritchie. Et nous continuons à penser qu'il est le ravisseur de la petite Elizabeth. Nous ne disons pas que nous le suspectons. Nous voulons seulement le voir et lui poser quelques questions. Richard Ritchie a peut-être quelque chose à voir avec l'enlèvement d'Elizabeth. Mais je ne crois pas que ce soit lui qui l'ait enlevé. Vous
venons du ciel. Nous avons été envoyés par Dieu pour répandre sa parole. Tenez, madame. Merci. Auriez-vous un sac? Oui. Plusieurs jours. Mais où est-il? Jamais il ne nous abandonnerait. Nous mourrons sans lui. Il nous observe. Il veut être vraiment certain de notre dévotion. Il nous teste. Ah, nous avons mérité son amour. Nous avons mérité son amour. Nous avons mérité. On n'a pas mangé depuis 3 jours. Je meurs de faim. Sale petite égoïste. Nous avons mérité son amour. Nous avons mérité son amour. Nous avons mérité. Dis-le. Nous avons mérité son amour. 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 Nous avons mérité ton amour. Cette nuit-là, dans l'église, monsieur le juge, j'ai vécu les pires instants de ma vie. J'étais sous pour la première fois depuis 22 ans. Et cette dernière semaine, en prison, je me suis senti comme Jonas qui a été avalé par une baleine. Tout tournait autour de moi. Je sais très bien quelle est ma mission. Je sais ce que le Seigneur veut que je fasse de ma vie. Et moi, je suis vraiment désolé. Je vous jure que jamais je ne recommencerai. Cette semaine, vous avez vu le portrait de l'homme qui a très certainement enlevé Elizabeth Smart. Et grâce à l'intervention d'un téléspectateur, nous avons pu identifier cet homme. Il s'appelle Brian David Mitchell. Il dit s'appeler Emmanuel pour certaines convictions religieuses. Il voyage généralement en compagnie de sa femme, Vanda Barzi. La police ne le considère pas comme un suspect. Elle veut seulement lui poser des questions concernant l'enlèvement. Oui? Monsieur Smart? Oui. Je m'appelle Ceci McGinty, je suis de la famille de Brian Mitchell. Je vous en prie, entrez. Non, non, merci, je ne veux pas rester. Écoutez, je voulais seulement vous dire que je ne sais pas si c'est Brian qui a enlevé votre fille, mais si c'est lui, je suis sûre qu'elle est en vie. Il ne les tue pas. Il tue leur esprit et il leur enlève leur âme. Mets tes lunettes. Excusez-moi, vous auriez un peu d'argent? Madame, un peu d'argent? Dieu vous bénisse, monsieur. Excusez-moi, vous n'auriez pas un peu d'argent? Vous n'auriez pas un peu d'argent? Police, je vous écoute. C'est vous qu'il faut appeler si on croit avoir vu Emmanuel, le type qu'on cherche, et qui a un rapport avec l'enlèvement d'Elizabeth Smart. Il porte une robe de mur? Non, mais il a des cheveux longs et une grande barbe. Il est seul? Non, il est avec 2 femmes. Ils ont des sacs et des couvertures. Quand les avez-vous vus? Là, juste à l'instant. Monsieur,
Vous auriez un peu d'argent? Auriez-vous un peu d'argent? En enfer. Excusez-moi, vous auriez une petite pièce? Pour nous, madame, vous auriez pas une... Vous auriez pas un peu d'argent, madame? Vous auriez pas un peu d'argent? Pas en enfer comme tous les autres. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Peter Marshall. Vous avez une pièce d'identité? Nous sommes des messagers de Dieu. Nous sommes libérés des choses de ce monde et nous voyageons en répandant la parole de Dieu. Ma femme Juliette, notre fille Augustine. Il voyage. Il dit qu'il s'appelle Peter Marshall, mais il n'a pas de pièce d'identité. Augustine, tu ne dis pas un seul mot. Ça va, on se calme. Monsieur Marshall, vous pouvez venir une petite minute? Eh oui, bien sûr. Si tu dis quoi que ce soit, tu sais. Madame, vous aussi, s'il vous plaît. Oui. Ça va aller. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Augustine Anne Marshall. Je voyage avec ma mère et mon père. Venant de Miami en Floride. Où habitez-vous à Miami? Dans Miami. Tout près de la mer? Oui. Pourquoi tu portes une perruque? C'est personnel. Comment tu t'appelles? Mais je m'appelle Augustine Anne Marshall. Je voyage avec ma mère et mon père. L'ennui, c'est que sans identité... Nous venons de Miami, en Floride. Avec moi, il ne t'arrivera absolument rien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Augustine Anne Marshall. Nous venons de Miami, en Floride. Alors, vous ne savez pas où vous habitez à Miami? Je vous ai tout dit, nous sommes des messagers de Dieu, nous voyageons pour répandre sa parole. Tu sais... Elisabeth... Il y a beaucoup de gens qui te cherchent et auxquels tu manques. Moi, je ne sais pas comment on va faire. C'est fini maintenant. Tu n'as plus qu'une seule chose à faire, c'est de me dire que tu es Elisabeth. Que vous avez dit. Et c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, eux? Ils vont être libérés. La police vient de téléphoner. Ils veulent que je vienne les voir immédiatement. Pourquoi? Ils n'ont rien voulu dire. Ils ont peut-être trouvé Brian Mitchell. Allô? Oui, c'est moi, je vous écoute. Non, vous l'avez raté, il vient juste de partir. De me dire quoi? Non, j'en sais rien. Et c'était pas elle. Je sais, j'ai rien. Viens. Oh.
J'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Le 30 avril 2003, le président Bush a fait adopter la loi concernant le plan Amber. Actuellement, 46 États l'ont déjà adopté. Quand les forces de police, les télévisions, les radios et la population travaillent ensemble, les enfants ont la vie sauve.